De quoi? J'ai pas compris. Vous êtes pas très bavardes aujourd'hui, les girls. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de mec de rien vouloir. Vos mecs, ils vous font pareil ou quoi? Il veut un chaton. Non, je sais que non. J'ai ouvert un bureau qui se lève plus une chaise à mon mec l'année dernière. Ah, sympa. Ça te plairait, ça? Je vois lequel il vient. Quoi? Donne-moi des marques. Si tu veux que je Non, t'offre en ça. vrai, je veux rien en plus. Expiré en plus, on annule. J'ai fait mon linge en même temps, c'est pour ça. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, là. On papote pas, là, vous êtes timide, hein. Le casque-appel est bien pour le prix, franchement, ouais. Ouais, mais je connais aucune marque, Lisa. Non, on a dit qu'on se faisait pas de cadeaux, donc. C'est moi, je force à vouloir en faire. Mais moi, en fait, j'adore faire des cadeaux, donc. Parce que t'adores en recevoir. Parce que j'adore en recevoir aussi. Mais de base, on s'est dit qu'on s'en faisait pas, mais je fais pas des cadeaux pour qu'on m'en fasse. Oh, la mytho. Mais qu'est-ce que tu dis? L'année dernière, on s'est dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je fais des cadeaux, j'attends pas qu'on m'en fasse, j'ai plaisir à faire des cadeaux, genre. Mais j'adore recevoir aussi, ça c'est pas le. Ça c'est pas le souci, j'adore recevoir des cadeaux. Par contre, je fais pas des cadeaux pour qu'on me fasse des cadeaux. Ça faut pas mentir. Moi, quand je dis on fait pas de cadeaux, je fais pas de cadeaux. Merci Chloé pour ta commande, ma belle. Ben là, c'est un mascara vide que j'utilise. Ouais, je vous partagerai ma wishlist parce que moi, cette année, j'ai vraiment trop de trucs que je veux, quoi. Franchement, cette année, je suis vraiment pas en manque d'idées. J'ai trop d'idées. C'est la première année d'ailleurs que j'ai des idées parce que chaque année. Tous mes proches, ils me disent « Ouais, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? » Et à chaque fois, je leur dis que je sais pas ce que je veux. Mais là, cette année, je sais ce que je veux. Tu veux quoi du coup? De toi, rien. Non mais tu veux quoi? Mais j'ai plein d'idées. C'est quoi? C'est quoi ta première idée? J'en ai plein. Mais bébé, c'est comme pour mon anniversaire. En fait, à chaque fois, à mon anniversaire, je t'ai donné une liste de 10 trucs que je voulais. Ouais. Et t'as tout dit, non, ça j'aime pas, ça je sais que tu vas pas l'utiliser, ça je sais que tu vas pas le porter, non, 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 non. Bah, donc, bon. Ok, du coup, c'est quoi ta liste? Bah, à peu près les mêmes trucs que pour mon anniversaire. Je sais pas ce que c'est quoi. Ah, tu te rappelles pas. Ah bon. J'arrive pas à faire mes cils, les filles. C'est quoi? Dis-le. Je ferai une vidéo dessus. Bah, je vais pas spoil ma vidéo. Sinon, ça sert à rien que j'en fasse une. Ah, on est à Dubaï, les filles. Il veut pas t'offrir ces trucs que toi t'aimes. Il fait sa sélection. Bah, après, au final, son cadeau qu'il m'a fait, il était très très bien. Genre, c'était une super surprise. J'ai pas du tout d'envie de prochain sac de luxe, les filles. J'ai. Franchement. Là, j'ai pas envie de sac de luxe. En ce moment, je suis plus chaussure de luxe. En ce moment, j'ai envie de m'offrir des beaux talons, des belles paires bien classe. En ce moment, je suis grave dans les vêtements, vouloir changer mon style vestimentaire, des belles pièces et tout, genre. Pour Noël, tu m'as offert quoi? Le casque Apple, l'année dernière. On rentre en France début décembre. J'arrive pas à faire mes cils, les filles. En fait, c'est mes. En fait, j'avais mis du truc dans mes produits. Tu regrettes tes achats à luxe? Certains, oui.
Pas tous, hein. Je vais pas dire que je regrette tous mes achats luxe, c'est pas vrai, mais il y en a que je regrette, ouais. C'est sûr. Donne-nous au moins un. Un cadeau que je veux, dites-moi dans quelle range de prix, genre. Ah, qui c'est qui a commandé les girls? C'est Inès. Merci Inès pour ta commande. T'en penses quoi des bottes Chloé? C'est pas mon délire. J'aime pas trop. Alors le moins cher, un truc que j'aurais envie le moins cher, ce serait le gloss de chez Rod, vous savez la marque d'Hailey Bieber. Je pense que je demanderais ça à mon frère. Peut-être je vais prendre ça moi. Bah si tu veux, alors je lui donnerai une autre idée à mon frère. C'est combien? 20 euros. Ouais c'est top, ça va. Merci Inès pour ta commande ma belle. Ah d'ailleurs, ouais non, je vais pas dire. Et l'autre, un peu plus orange. Après, je vais demander à mon père, je pense, un Polaroid. Vous savez, les appareils photo là, ça je veux trop. Je veux trop un Polaroid avec des recharges photo. Le gloss de chez Rod Beauty, la marque de Hailey Bieber. Ça. Et après, ça va être des vêtements, genre là, je vais me faire une wishlist de belles pièces, bien quali et tout. Je demanderai ça. Et une belle paire de talons. Parce que vous savez, souvent pendant les Black Friday, genre que ce soit Farfetch ou tous les trucs comme ça, ils font des promos. Et j'ai vu des talons Amina Muadi que j'aime trop. Et ils passent... Enfin, genre il y a une big promo dessus, quoi. Donc, pourquoi pas. Sinon, j'aime bien le top de chez Louis V, mais je trouve qu'il est un peu trop cher pour ce qu'il est. Une belle paire de lunettes de soleil. Enfin, voilà. Franchement, j'ai pas mal d'idées. Hein. Y a l'esprit de Noël un peu à Dubaï. Bah, non. Enfin, pas maintenant, en tout cas. Mais après, à partir de décembre, ils font quelques trucs, je crois, pour Noël, genre. Ouais, j'ai plein d'idées, hein. C'est la première année où j'ai autant d'idées. Ouais, non. Il me fait trop mal, ce bouton. Et vous, c'est quoi vos idées, les filles? Qu'est-ce que t'as? J'arrive pas à faire mes cils, les filles. Ça me saoule. Je crois que je vais le jeter lui aussi. Ah ouais, une paire de Doc. Oh, mes Doc, elles sont tellement belles. Ça me manque tellement de pas les mettre quand je suis ici. Il est en train de te commander le gloss. N'importe quoi. J'aimerais trop le bracelet Yves Saint Laurent qu'on voit partout. Je vois pas lequel c'est. Mais en vrai, sache que les bijoux, la plupart, c'est vraiment de la grosse qualité de merde, genre. Ça rouille et tout. Je trouve ça vaut pas le coup. J'adore tes cils. Maolash, ma vie, si tu veux des longs cils, t'as le lien dans la bio. Là, moi, je suis en train de me reprendre une cure parce que je me suis grave abîmé les cils. Donc je suis en train de reprendre une cure, c'est pour ça en ce moment mes cils ils sont vraiment pas ouf. Je vais me refaire une petite cure, je vous avais dit que j'étais en train de tester un nouveau nouvelle compo, mais franchement je suis pas convaincue pour l'instant. On a clairement pas trouvé mieux que notre compo, hein. Donc ouais. On va garder sur notre compo, ouais clairement. Ce sera quoi comme code promo NOCIB? Je filme là, je vous le donne vendredi. Je sais plus les filles. Je dois faire la preview là. Ouais, les bijoux Hermès, c'est encore. Je les ai jamais mis. D'ailleurs, je pourrais les revendre au pire les filles, vu que je les mets pas. Je sais pas combien ça se revend des bracelets Hermès.
Ils sont pas ouf, mais madame, tes cils, on dirait des baby hair, là, carrément. Oh, mais j'ai eu les cils tellement plus longs, déjà. Je te jure. Ouais, les travaux, c'est catastrophique. Mon mascara, c'est un L'Oréal, les filles, mais les cils longs, c'est Maolash. Vous avez le lien dans ma bio, les filles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient tester Maolash, et à chaque fois, vous me disiez... c'est trop cher, c'est pas dans mes moyens et tout. Là, si vous voulez tester le sérum, vous avez moins 20% sur le site jusqu'à dimanche. Donc, passez pas à côté, je dis ça pour vous, parce que vous me posez tout le temps la question. Il y a moins 20%. Si vous prenez des packs, le sérum, il revient à 23€, les filles, sachant que la livraison, elle est toujours offerte en France. On n'a jamais fait cette offre-là. Le plus gros qu'on ait fait, c'était 12%, et à chaque fois, c'était des codes que je donnais en live, là, genre pendant 12 minutes. Là, il y a plus de moins 20%. Donc, clairement, pour toutes celles qui voulaient tester le sérum, vous avez le lien dans ma bio. Je comprends, Magali, je suis obligée. Ce matin, je me suis réveillée par les travaux visseuses à 8h. Oh là là, quel enfer. J'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il est possible pour toi de prolonger jusqu'à mercredi pro la promo parce que je touche la paye mardi? Malheureusement, non, c'est pas possible, ma belle. On va couper la promo dimanche. Ça fait déjà une semaine complète de promo et on peut pas faire plus. Donc, sinon, tu demandes à une copine à toi, je sais pas, de t'avancer et tu la rembourses mardi. Ou avec PayPal, vous pouvez pas payer plus tard parce que nous, il y a PayPal sur le site. Je sais qu'il y a le paiement en 3 fois sans frais. Mais je sais pas si vous pouvez payer genre plus tard, si vous pouvez faire un paiement différé. Mais non, malheureusement, les filles, on refera plus jamais 20%. Et le code termine dimanche, on peut pas faire plus loin que ça, les filles. On peut pas faire plus loin que ça. Merci Hélène pour ta commande, ma belle. Merci Laura pour ta commande. Pareil, je touche ma paye mercredi. Bah, je suis vraiment désolée, les filles. Je suis vraiment so sorry, mais malheureusement, on peut pas faire plus que ça. Deux, ça faisait 55€ avant la fin du mois et j'ai les impôts qui passent bientôt. Après, je comprends, hein. Franchement, je comprends votre position et ça m'embête pour vous, les filles, mais malheureusement, enfin, on a fait exprès déjà d'avancer le Black Friday, donc au lieu que ce soit vendredi, on l'a fait le dimanche précédent. Donc, on peut pas faire plus tôt que ça. Après, je sais que c'est compliqué, qu'il y en a beaucoup qui sont en fin de mois et tout, mais malheureusement, on peut pas prolonger l'offre et on l'a déjà fait le plus tôt possible. Donc, je suis désolée, les filles. Faut envoyer un message, Céline, comme d'habitude. Vraiment, ça change pas. Moi, je suis pas le SAV ici. J'essaie de répondre à un maximum de vos questions. Mais il y a vraiment un service dédié. On paye quelqu'un pour tous les problèmes. Donc, vous envoyez un message au SAV. T'inquiète pas, c'était juste une question. Ouais, mais je vois que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Et en vrai, ça m'embête. Il passe à 27,99€. Et t'as la livraison qui est offerte en France. La livraison prend un peu plus de temps que prévu. C'est normal. Pourquoi ? T'as commandé quand ? Non, franchement, Gaëlle, elle expédie. En fait, quand vous commandez, soit elle envoie le même jour, soit elle envoie le lendemain. Là, avec le Black Friday, elle a eu beaucoup de commandes, mais franchement, elle gère hyper bien et elle est hyper réactive au niveau des délais. Peut-être que la poste, ils sont plus longs. Ah, mais t'as commandé dimanche ? Bah, c'est parti soit lundi. Bah non, alors si t'as commandé dimanche, c'est vraiment pas plus long que d'habitude. Si t'as commandé dimanche, c'est parti soit lundi, soit mardi si t'as commandé dans les dernières. Et donc j'imagine que t'as déjà reçu ton mail d'expédition. Dis-moi si c'est le cas, tu dois avoir reçu ton numéro de suivi. Et après, tu peux appeler la poste si t'as des questions, si tu veux savoir quand c'est que ça arrive, etc. Tu peux les appeler directement. Mais non, au niveau des délais, nous, on est toujours aussi rapide. Franchement, c'est pas vraiment rallongé, elle dead. D'habitude, je les reçois en 2 jours, c'est pour ça.
Ah ouais. Bah non, mais Céline, bien sûr que si tu demandes quelque chose et que tu partages, et justement si c'est le cas, et si t'as vraiment un souci avec ça, le SAV est là pour ça. Donc voilà. Merci Alexandra pour ta commande, ma belle. Les gens, ils croient trop que dimanche à minuit, il y a Gaëlle qui bosse. Bah, la vérité, c'est que Gaëlle, elle a bossé dimanche pour faire vos commandes et que ce soit envoyé lundi. Hein. C'est jusqu'à quelle heure dimanche l'offre pour Maolash ? Flo ? Quoi ? C'est jusqu'à quelle heure l'offre dimanche pour Maolash ? Minuit. Je pense qu'on va faire minuit. J'ai dit merci à la personne qui vient de commander ? Oui, c'était Alexandra. Minuit, ouais. Hop. Mon rouge à lèvres, là, j'ai mis un crayon et un gloss.